Salut François. Salut Cyril, ça va? Tu sais pourquoi on est là? Bah oui, il y a Edan, que ça s'est super bien passé votre interview et... Ouais. Ça m'a bien challengé sur l'esprit critique. Et moi aussi m'a challengé. Donc c'est bien qu'on se voit aujourd'hui parce que, au moins, on pourra agir pour tout le monde contre le cancer comme il m'a demandé. Ok, pour cette assoce. Ok, moi j'avais déjà un peu défini l'esprit critique. C'est vrai que j'aime bien rappeler que c'est penser contre soi, penser contre ses intuitions, ce qui est hyper dur. Et toi, ce serait quoi ta définition? Elle se rapproche assez de celle d'Edan. Ne rien prendre pour, entre guillemets, argent comptant et surtout ne pas être dans le jugement et savoir remettre en question et écouter les personnes avec qui on n'est pas d'accord. Ok, en parlant d'esprit critique, y a un truc qu'on a, je ne sais pas si ça a été démontré, mais il paraît qu'on peut, l'esprit peut avoir une influence sur la matière. T'es au courant de ça? Ouais, ah oui, justement. Ça tombe bien parce que je crois que j'ai un don. Ah ouais? À toi, tu aurais ce don-là. D'accord. Et là, tu pourrais nous faire une petite démo? Écoute, est-ce que t'as une cuillère? Cuillère! Bah, bien sûr, j'ai une cuillère, tiens. Merci. Ok. T'as des cuillères partout en fait chez toi. Attends, mais bien sûr j'ai des cuillères partout. Ah. Il pourra couper. Alors attends. Aïe, oui. Je monte. Bah écoute, bien sûr que j'ai une cuillère. Là voilà, regarde. Ah ouais, c'est sympa. Ça. T'as des cuillères dans ta bibliothèque. Et en plus celle-là, elle est bien costaud. T'as pas vu, j'ai un peu des. T'as vu, mon mollet, il est blindé là. Donc a priori, tu peux la. Bah, okay. Si tu me laisses quelques secondes de concentration, je d'accord. vais essayer bon, de bah, te la montrer passe. Ça. Donc la cuillère. Alors on se concentre. La main. Ma cuillère, tu lui fais pas trop mal, hein. Vas-y. Je fais okay. mal à personne. Donc un peu de concentration. Ah oh là là. Attends, mais tout le monde voit bien ça? Oh là là. Pourquoi tu tournes? Non, il faut pas que tu, tournes vers moi parce qu'on voit le truc. Alors, c'est, voilà, donc vas-y, ma cuillère, c'est parti. Ok, donc un peu de concentration. Okay. Ok, donc je mets la cuillère là. Ça a besoin d'un peu de chaleur. Donc voilà, c'est un peu ce don de... D'accord. Le don de soi. De chauffer... Donc du coup, tu vas... Ok, allez, c'est parti. Okay, je regarde comme concentre. Si j'étais spectateur. Ok, vas-y. Okay. Mais attends, ma cuillère! Mais qu'est-ce que tu fais à ma cuillère? Oh la vache! Oh, voilà! Attends! Oh là 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 là, mais attends! Et c'est la même cuillère! C'est la même cuillère! Écoute, je suis navrée, mais tu m'as demandé de le faire! Mais attends, ça veut dire que du coup, tu peux être sourcier, tu peux être barreuse de feu, tu peux faire plein de trucs! On va pouvoir t'employer quoi! Tu vas pouvoir. Mettre à profit ce don! Écoute, c'est vrai que j'ai public. Découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Incroyable. Et je pense que je vais faire ça. Incroyable! Bon, Cyril, bravo! Merci. Beau challenge. Merci. Salut, Z-Up. Salut, Edan. Salut, Willy. À bientôt. Ciao.